What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Tesla baisse les prix de son modèle Y en France pour faire face à la concurrence. ChargeMap publie son classement des meilleurs réseaux de recharge en France. L'Euro de football 2024 change de partenaire automobile. Volvo suit l'exemple de Tesla et met en pause sa production à cause des attaques en mer Rouge. Et enfin BMW qui fait un carton sur l'électrique en 2023. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, une longue interview, je dois dire assez exceptionnelle, du PDG d'Electra, Aurélien Demeaux, qui revient entre autres sur l'énorme levée de fonds bouclée par la start-up en ce début d'année, et plus généralement sur la stratégie et les projets de l'entreprise. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 100 du 20 janvier 2024. Zone verte, l'édito de la semaine. Hertz, le géant de la location de voitures, a décidé de se séparer définitivement de 20 000 véhicules électriques, dont une grande partie de Tesla, pour revenir au modèle thermique. Quelles sont les raisons de ce choix? Quelles sont les conséquences pour le secteur de la mobilité électrique? Voyons ça un peu plus en détail. Tout commence en octobre 2021, lorsque Hertz annonce un partenariat historique avec Tesla, le leader mondial des voitures électriques. Hertz commande alors 100 000 Model 3 pour un montant de 4,2 milliards de dollars, soit la plus grosse commande de véhicules électriques jamais passé par un loueur. L'objectif est de proposer aux clients de Hertz des modèles performants, autonomes et design, tout en affichant son engagement pour la transition écologique. Le partenariat fait sensation et booste la valorisation boursière de Tesla, qui dépasse alors les 1000 milliards de dollars. Mais moins de deux ans plus tard, la belle histoire tourne court. Hertz annonce qu'il va se séparer de 20 000 voitures électriques, dont une grande majorité de Tesla et de Polestar. La raison invoquée est que les coûts d'entretien et de réparation des véhicules électriques sont trop élevés, notamment pour les pièces de carrosserie. En effet, les voitures électriques seraient plus souvent impliquées dans des accidents, avec des dommages matériels importants. De plus, la demande des clients pour ce type de voiture serait insuffisante, malgré les efforts de promotion et de sensibilisation menés par Hertz. Enfin, et c'est peut-être là le principal écueil, la valeur de revente des Tesla a fortement baissé ces derniers mois, suivant le rabais successif de la marque pour les prix du neuf. La valeur résiduelle étant l'un des piliers de la rentabilité des loueurs, forcément, cela ne pouvait pas bien se passer. Le revirement est un coup dur pour le secteur de la mobilité électrique qui perd un acteur majeur de sa démocratisation. En effet, la location de voitures électriques pourrait être un moyen efficace de faire découvrir et adopter cette technologie par le grand public en levant les freins liés à l'autonomie, à la recharge ou au prix. Les loueurs pourraient alors bénéficier des avantages fiscaux et environnementaux des voitures électriques tout en réduisant leur empreinte carbone. Mais pour cela, il faudrait que les loueurs s'adaptent aux spécificités de ces voitures en termes de maintenance, de formation, de pédagogie ou même de partenariat avec des réseaux de recharge. Alors, Hertz a-t-il fait preuve de précipitation, voire de naïveté en s'engageant de la sorte avec Tesla, sans avoir suffisamment évalué les risques et les opportunités du marché de la location de voitures électriques? Ou bien le loueur américain fait-il au contraire preuve de réalisme, voire de pragmatisme, en renonçant à son ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité électrique, face aux contraintes et aux coûts trop importants? Quoi qu'il en soit, Hertz laisse la porte ouverte à d'autres loueurs, peut-être plus audacieux ou plus visionnaires, qui sauront saisir l'opportunité de la voiture électrique. L'actu de la semaine. Tesla baisse les prix de son modèle Y en France pour faire face à la concurrence des SUV électriques de Peugeot, Renault et même Volkswagen. La version propulsion avec une autonomie de 455 km est maintenant affichée à partir de 42 990 euros, sans la prise en compte du bonus, contre 45 990 auparavant. Et cette variante y a toujours droit après la mise en place de l'EcoScore, puisqu'elle est fabriquée en Allemagne. Au moment où ce podcast est enregistré, le véhicule est ainsi affiché à 37 990 euros bonus déduit, puisque le bonus est encore à 5000 euros dans l'attente du décret du bonus 2024. La marque américaine réagit ainsi à l'arrivée de nouveaux concurrents très bien placés en matière de prix, comme le nouveau Renault Scénic, affiché à partir de 39 990 euros, et le Peugeot E3008 à partir de 44 990 euros.
ChargeMap publie son classement des meilleurs réseaux de recharge en France, basé sur les avis de ses utilisateurs. Tesla, Fastned et Electra, respectivement, sont sur le podium, tandis que Orléans Métropole, NWI Charge et Lidl se distinguent par leur rapport qualité-prix. Le classement prend en compte la disponibilité, la fiabilité, la puissance, le prix et la facilité d'utilisation des bornes de recharge. Rappelons pour la bonne forme que ChargeMap, une application qui permet de localiser et de payer les bornes de recharge en France et en Europe, appartient au même groupe qu'Automobile Propre. L'Euro de football 2024 change de partenaire automobile. Volkswagen cède sa place à BYD, le constructeur chinois, décidément partout, qui fournira une flotte de véhicules électriques pour les équipes, les officiels et les invités. C'est la première fois qu'une marque chinoise sponsorise la compétition. BYD précise que cet événement prestigieux permettra à la marque de présenter ses dernières avancées dans le domaine des véhicules électriques à un public étendu. Ce contrat est sans conteste une pierre dans le jardin de Volkswagen, puisque l'Euro de foot se tiendra sur ses terres en Allemagne. Rappelons que BYD est le deuxième constructeur mondial de véhicules électriques derrière Tesla, avec 1 600 000 exemplaires écoulés en 2023 contre 1 800 000 pour Tesla, et qu'il est même passé devant Tesla pour les ventes du dernier trimestre 2023. Volvo suit l'exemple de Tesla et met en pause sa production à cause des attaques en mer Rouge. L'usine de Gand, en Belgique, sera fermée pendant 3 jours, faute de pièces détachées. Les navires qui les transportent doivent contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, ce qui rallonge les délais. Cette situation affecte la production des modèles électriques et hybrides de Volvo, qui représentent plus de 40% de ses ventes en Europe. Volvo espère reprendre son activité normale dès la semaine prochaine. BMW fait un carton sur l'électrique en 2023. Si l'on inclut Mini et Rolls-Royce qui font partie du groupe, le groupe allemand a vendu plus de 376 000 véhicules 100% électriques en 2023, soit une progression de 74,4% par rapport à 2022. La part des modèles électriques atteint aujourd'hui 14,7% des ventes totales. BMW vise 20% en 2024 et 25% en 2025. Le succès de BMW repose sur une gamme qui comprend pas moins de 18 modèles 100% électriques, dont la berline i4, les SUV iX, iX1 et iX3, et depuis peu la version 100% électrique de la célèbre série 5, la i5. L'interview de la semaine. Bonjour Aurélien Demeaux. Salut Eric. Vous êtes PDG d'Electra, une entreprise que l'on commence à bien connaître dans le monde de la recharge électrique. Est-ce que vous pouvez cependant nous rappeler en quelques mots ce qu'est Electra, peut-être sa structure, le nombre de salariés, les implantations, etc. Oui, alors Electra, nous on est un CPO, Charge Point Operator. On déploie des stations de recharge rapide pour les voitures électriques. On est présent dans 8 pays en Europe, la France et 7 autres pays. On a une équipe de 180 personnes et on fait que de la recharge rapide en essayant de beaucoup travailler sur l'expérience utilisateur et l'expérience client qui est notre marotte chez Electra. Alors la grosse actualité de ce début d'année, l'année démarre bien pour vous, c'est cette levée de fonds énorme que vous venez de boucler. Alors, on a fait une levée de fonds de 304 millions d'euros. Ouais. On a effectivement bouclé en fin d'année 23 et qu'on a annoncé tout début 24. Et ça, ça va nous permettre de financer le déploiement du réseau. Une station, c'est nous qui finançons le réseau. Ouais. Une station, c'est un investissement assez conséquent puisqu'en fait, comme on fait de la recharge rapide, on a besoin de raccordement au réseau. On a des bornes en courant continu, donc des bornes assez puissantes qui coûtent un certain prix. Donc, pour donner un ordre de grandeur, une station, c'est entre 400 et 500 000 euros d'investissement. Et ouais. Donc, si on veut en déployer des centaines, voire des milliers, ce qui est notre plan, il faut du capital. C'est pour ça qu'on est passé par la case financement. C'est pas votre première levée de fonds, hein. Vous avez déjà levé 2 fois des fonds, je crois, en amorçage au tout début, puis une deuxième levée de fonds en 2022. Oui, on avait démarré effectivement, donc première levée de fonds tout début 2021 avec des fonds de Venture Capital, donc 15 ouais. millions d'euros pour démarrer, nous permettre de déployer les premières stations, constituer l'équipe, faire ce qu'on appelle notre POC, notre Proof of Concept. Ensuite, en 2022, là, on fait une levée de fonds de 160 millions d'euros. Plus conséquente avec des fonds d'infrastructure, donc c'est Eurazeo Infrastructure qui avait mené ce tour-là,
Et puis cette année-là, on a fait rentrer un fonds de pension néerlandais qui s'appelle PGGM, la BPI, et puis on a un certain nombre de nos actionnaires qui ont participé à ce tour également pour un montant total de 304 millions. Est-ce que ça fait d'Electra une licorne aujourd'hui? Vous êtes en termes de valorisation? Alors, on n'est pas tout à fait licorne. J'aurais bien aimé, mais on n'est pas tout à fait licorne. Non, on n'est pas très loin non plus. Mais ce qui compte pour nous là, c'est surtout d'avoir le bon niveau de financement avec le bon partenaire. Et le bon partenaire pour nous, c'est des gens qui sont long terme. C'est un business d'infrastructure, donc ça va Ouais. prendre du temps. On a 1 million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers. Donc il faut le temps qu'on ait une adoption de masse. Donc il faut ce qu'on appelle du patient capital, et puis des gens qui soient convaincus par la thèse. Parce que dans la recharge, on peut faire plein de choses. On peut faire de la recharge à domicile, au dépôt, au bureau, de la recharge lente. Et nous, on a un créneau, on a une stratégie qui est très claire, sur laquelle on est focus 100% de notre temps, c'est de la recharge rapide, ouverte au public. Et on a des gens qui, je pense, souscrivent à cette thèse et qui étaient très très convaincus de ça. Donc c'est pour ça qu'on a cliqué avec PGG. Alors c'est la levée de fonds la plus importante pour une entreprise française dans ce secteur en tout cas, et c'est la deuxième en Europe, je crois, derrière Ionity, qui est un cas un petit peu atypique puisque c'est un consortium dans lequel ont investi un certain nombre de constructeurs. Ça vous place vraiment en leader aujourd'hui de la recharge en France? Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une levée de fonds importante. Et ça nous donne la possibilité en tout cas de construire une plateforme à l'échelle européenne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec les différentes levées de fonds qu'on a pu faire, on a la possibilité de devenir, je pense, une des plateformes européennes leader. Et donc c'est clairement notre objectif et notre ambition. Et c'est pour ça qu'on va déployer, donc comme je disais, dans 8 pays dans lesquels l'objectif est d'être top of mind, en tout cas d'être connu et reconnu par les électromobilistes. Et c'est sûr que plus on a de moyens, plus on met de chance de notre côté pour arriver à déployer ce réseau. Donc je pense qu'on est en bonne position, on a toutes les cartes en main, et donc maintenant il faut continuer à exécuter et à délivrer. Dans votre tour de table d'investisseurs, vous avez des investisseurs qui ont également investi chez vos concurrents? Alors on a un fonds qui est investi dans 2 autres sociétés qui sont dans la recharge. D'accord. Et sinon, non, les investisseurs aujourd'hui, la gouvernance d'Electra, donc PGGM, Eurazeo, ils sont exclusivement investis sur Electra. Alors avec cette rentrée d'argent qui est quand même assez massive, vous avez probablement des priorités dans les investissements, dans le fléchage des investissements. Quelles sont-elles? Alors nous, on a deux grandes priorités. La première, c'est de déployer le réseau en Europe, donc dans les pays dans lesquels on est, pouvoir accélérer le déploiement. Et donc ça c'est une grosse partie du capital qui va être employé sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est de continuer à investir dans l'innovation, dans la technologie, dans le produit. Moi, je suis convaincu, on est convaincu depuis le premier jour que c'est le rôle d'un pure player, je pense, comme Electra, de porter l'innovation dans le secteur de la recharge. Et il y a plein de choses à faire. On a de l'autocharge chez Electra, de la réservation des bornes. On peut utiliser Google Pay, Apple Pay. On sait qu'il y a le plug and charge qui va arriver. Donc on essaie de participer à un certain nombre d'instances qui définissent les standards, Charine, etc. Et également sur plutôt les aspects politiques publics au travers de Charge Up Europe, par exemple. Donc on doit, je pense, apporter de l'innovation pour enthousiasmer, embarquer les gens vers l'électrique. Et ça, ça nécessite de l'investissement. On a développé notre propre technologie. Donc 100% de la techno, on l'a développée en interne chez Electra. On a une équipe de 45 personnes qui s'appelle l'équipe Product and Engineering. Et on va continuer à beaucoup investir là-dessus parce qu'on croit que c'est vraiment différenciant et que c'est ça aussi qui va permettre de tirer un petit peu le secteur vers le haut. Parlons d'innovation. Vous qualifiez souvent effectivement d'entreprise technologique. Vous avez une réussite qui est phénoménale en peu de temps, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que Electra a été créée en 2021 en plein Covid, donc ça fait juste 3 ans. Donc c'est des croissances généralement qu'on connaît plutôt dans les startups du digital, les réseaux sociaux, l'IA, la crypto-monnaie, blockchain, etc. Et donc vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous êtes un industriel quand même, mais avec un ADN de startup. C'est exactement ça. Nous, on a vraiment deux jambes.
Une qui est infrastructure, industrie, parce que c'est notre métier de base. Et en fait, c'est vraiment absolument nécessaire d'avoir ce déploiement industriel qui se fasse avec des actifs de qualité. Donc c'est une énorme partie des effectifs d'Electra et du métier. Et puis la deuxième jambe, c'est la partie software informatique sur laquelle. Et donc on essaie de faire un peu la synthèse de ces deux mondes en prenant les deux et en essayant de créer une expérience client qui soit vraiment aboutie. Moi, un truc que je dis souvent, Eric, c'est que le client, il s'en fiche que ce soit la borne qui ne marche pas ou le logiciel, il constate juste que ça ne marche pas. Donc c'est notre job d'arriver à être fort sur les deux et à faire l'intégration qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et tu vois, typiquement, si je prends l'exemple de modèles, que ce soit Apple ou Tesla, mais c'est des boîtes. Est-ce que c'est les boîtes de hardware? Est-ce que c'est les boîtes de software? Ben, ils sont très très forts sur les deux et ils ont créé cette synthèse et c'est ça que je trouve très 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 fort. Donc on essaie de s'inspirer de ces modèles-là. Ouais, vous prenez en fait l'exemple de deux sociétés où tout est intégré, puisque Apple fait le hardware et le software, et que c'est aussi une des raisons qui font que ça fonctionne très bien. C'est un peu le cas aussi pour Tesla. Récemment, vous avez, il y a quelques jours, alors je vais dire adoubé, vous avez été adoubé avec beaucoup de guillemets, par Xavier Niel en personne qui est venu visiter vos locaux. Oui, absolument. En fait, on fait partie du Next 40, Ouais. donc le dispositif de la French Tech avec une quarantaine de sociétés. Et au travers du Next 40, on a tous les mois un petit déjeuner avec les CEO du Next 40 et avec une personnalité, on va dire, de la French Tech qui vient et qui partage ses retours d'expérience. Donc là, c'était Xavier Niel et il se trouve que c'était chez Electra. Et comme il est sympa, il est passé discuter avec les équipes 45 minutes. Où on a fait un question-réponse et c'était un super bon moment, super chouette parce que, en fait, Xavier Niel, et c'est là où ça tombait super bien, bon, non seulement c'est un personnage, mais en plus, au travers de Free, bah, lui, il a fait exactement ce qu'on fait, de l'infrastructure avec un volet technologique fort et ce côté pure player, trublion vis-à-vis des incumbents, etc. Donc on avait quand même beaucoup d'atomes crochus et il nous a partagé ça, c'était passionnant. Alors lui, il connaît le sujet, enfin il connaissait un peu, il connaît l'automobile, parce que j'ai l'impression que il est très loin de ça en fait. Ouais, je pense que donc lui il est très voilà, il est dans les télécoms, il fait pas mal d'immobilier aussi, et puis il a tout un tas d'activités qui ont permis de d'aider la tech, donc soit Station F, Ouais, bien Kina sûr. Venture le fond, 42 l'école, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que en fait il est investisseur chez Electra depuis 2021 au travers de Kima Venture qui est le véhicule de voilà. Sauf qu'il le savait, il le savait même pas. Et donc je lui ai dit, tu sais, tu es investisseur depuis 2 ans et voilà. Et typiquement Kima, je pense que c'est un voilà, c'est Jean de La Roche-Brochard qui gère ça. Ouais. C'est assez génial quoi. Il finance une boîte toutes les semaines, ticket moyen 100 000 euros. Donc voilà. Après, oui, non, sur l'automobile, je ne suis pas sûr qu'il ait énormément d'investissement dans le secteur, mais il était assez intéressé. Tu sais, on a une borne au bureau, donc on lui a montré, on a regardé la carte, etc. Et je pense que c'est ce qu'il aime bien, ce qu'il nous a dit, c'est l'objet physique. C'est pas le pur service en ligne, mais la partie objet physique, tu vois, il nous a parlé de la Freebox et du design, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et on s'est un peu retrouvé là-dessus. Alors vous innovez, on a parlé d'innovation, vous innovez avec des services inédits ou exclusifs comme la réservation de bornes qui est déjà bien connue chez vous. Est-ce qu'il y a encore de la place, alors vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour l'innovation dans le secteur? Vous avez des idées en tête, même sans rien dévoiler de stratégique, mais est-ce que ça va plutôt être dans le hardware, dans le software, dans le design? On en parle peu du design en fait, mais le design des stations, la conception des stations. Est-ce que vous sentez les choses évoluer dans ces domaines-là? Ouais, je pense qu'on a encore un gros travail à faire sur effectivement le design des stations pour les rendre plus visibles, plus agréables, plus ergonomiques. Dans la tech, hein, j'en ai un petit peu parlé, mais le plug and charge, Ouais. les intégrations qu'on peut faire avec les véhicules, il y a énormément de choses. Les routes planeurs, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire pour simplifier la vie des gens. Et la roadmap, elle est bien chargée, je pense, comme dans beaucoup de boîtes tech. Mais je pense qu'on va continuer à innover.
Il y a aussi beaucoup d'adaptations, tu sais, dans les pays européens, tu as des normes différentes. En Allemagne, tu as Leichtrecht, tu as Bancontact, qui est un moyen de paiement en Belgique. Donc, en fait, le simple fait d'adapter ton produit dans 8 pays, c'est déjà, avec les spécificités locales, c'est déjà pas mal de boulot aussi pour l'équipe tech. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui va occuper notre équipe Product and Engineering. L'IA est la grande tendance du moment. Alors j'imagine que même à titre personnel, vous, Aurélien, vous vous y intéressez probablement. Mais est-ce que vous travaillez sur le sujet chez Electra? Est-ce qu'il y a des sujets autour de l'IA dans les métiers de la recharge qui permettraient d'améliorer les process ou de trouver des innovations justement? Ouais, on se pose pas mal la question en interne et on essaie de voir un peu quels sont les applicatifs potentiels. J'en vois quelques-uns. Alors typiquement, il y a l'IA. Pour moi, il y a trois applicatifs en tout cas que nous on a identifiés à ce stade. Le premier, c'est tout ce qui est organisation interne. Donc tu vois, on produit énormément de documents en interne et au travers de l'IA. Tout ce qui est knowledge base, donc base de connaissances, partage de la connaissance, etc., ça peut être un plus. Au niveau des équipes, opérations et services clients, comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à créer des bibliothèques qui soient précises avec des réponses le plus claires possible pour nos utilisateurs? Est-ce que là, on peut les aider? Ça, c'est une deuxième application. Et puis la troisième, c'est tout ce qui est moteur de prix. Comment est-ce qu'on peut arriver avec de l'IA à avoir quelque chose qui soit le plus intelligent possible. Donc c'est un peu les différentes thématiques qu'on a. Il y en a sans doute d'autres, mais on essaye en tout cas de s'intéresser au sujet et surtout de manière applicative, de comment est-ce qu'on peut traduire ça par des gisements de productivité ou une amélioration de nos process. Avant de passer aux questions des auditeurs, j'ai une question qui est un petit peu plus personnelle sur le process de levée de fonds. Quand on a une entreprise comme Electra, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous prend comme temps? Quel a été le calendrier de cette levée de fonds? Est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui vous a pris, vous, à titre personnel, Aurélien, une grande partie de votre temps sur l'année 2023? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un process qui était. C'est relativement long. Et en même temps, nous, on a fait ça en pas beaucoup de temps finalement par rapport à ce type de transaction. On a démarré en juin et on a closé fin décembre. Donc, tu vois, c'est un peu plus de 6 mois, on va dire 6-7 mois avec la coupure estivale. On a travaillé avec deux banques qui nous ont aidés à structurer la transaction. Et c'est vrai que c'est chronophage. Moi, ça a pris beaucoup de mon temps sur les deux derniers quarters de l'année parce qu'il faut multiplier les rendez-vous, répondre à toutes les questions. C'est intéressant comme exercice que je te disais tout à l'heure parce que tu revois ta stratégie du sol au plafond puisque les investisseurs ont des questions multiples et variées sur tel pays, telle stratégie, la techno, l'énergie, les politiques publiques. Ils veulent tout savoir, tout comprendre pour être sûr de valider leur business case. Donc ça fait réfléchir sur toutes les facettes du business et c'est un très bon exercice. En même temps, c'est assez chronophage et je suis assez content quand même qu'on ait mis ça derrière nous et qu'on puisse exécuter et se focaliser à 200% sur le business. Heureusement, chez Electra, on a une équipe qui est assez étoffée. Donc on est 180 personnes dans la boîte, ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on a une des plus grandes équipes de recharge rapide en fait en Europe et la plus grande en France, si je ne me trompe pas. Et donc, on a pas mal de monde qui m'a évidemment beaucoup aidé sur la transaction. Et donc, ça nous a permis de continuer à faire avancer les projets tout en menant ce sujet de levée de fonds. Ouais, donc ça veut dire que même une entreprise comme Electra qui a déjà fait ses preuves et qui avait déjà fait deux importantes levées de fonds doit toujours se remettre en question et c'est jamais acquis en fait, c'est jamais un long fleuve tranquille d'aller chercher des financements même quand on a fait ses preuves comme vous. Oui, parce que alors c'est sûr que personne ne fait un chèque de plusieurs centaines de millions d'euros sur la base de la confiance à la poignée de main parce qu'il trouve qu'on a une trajectoire sympa, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour leur process de contrôle interne, etc. C'est des process qui sont extrêmement structurés. On est avec des fonds de pension ou des fonds d'infrastructure, donc c'est pas tout à fait la même logique que les fonds de venture dans la tech, où là les process sont peut-être un peu plus light. Parce que les fonds de venture, ils vont d'abord et avant tout miser sur une équipe et un secteur. Là, on est sur quelque chose qui est plus,
plus colère, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est très Normé. méticuleux comme exercice, c'est très normé, exactement. Donc ouais, c'est assez chronophage, c'est assez intense. Le contexte de marché actuel aussi, il n'est pas évident. Tout le monde connaît le contexte. Les taux d'intérêt sont très élevés. Il y avait beaucoup d'inflation, même si là ça va un petit peu mieux. L'immobilier est quand même en berne. Il y a quelques pays, dont l'Allemagne, qui rentrent en récession. Donc le capital, il est rare, il est cher. Donc les investisseurs sont extrêmement exigeants. Et ils veulent. Et ça, c'est. Pour le coup, j'ai la faiblesse de croire que c'est vraiment la qualité et les bons fondamentaux du projet Electra qui nous ont permis d'arriver dans ce contexte-là à confirmer une transaction assez importante avec, comme je disais, ouais, des investisseurs qui sont extrêmement exigeants, quoi. La rentabilité, alors je ne sais pas si elle est déjà atteinte, mais comment ça va se passer dans les prochaines années? Vous envisagez une autre levée de fonds ou alors est-ce que vous allez arriver à une rentabilité prévue dans les prochaines années? Nous, on a prévu une rentabilité en 2026. Donc, on est dans un cycle aujourd'hui d'investissement qui est très important, qui est très soutenu, parce que bah, on est en train de créer ce réseau dans 8 pays. Et on a besoin de cette taille critique pour amortir un certain nombre de coûts. Et aussi, on a besoin du parc électrique. On a besoin que le parc électrique augmente pour arriver à amortir cette infrastructure. C'est-à-dire que le taux d'utilisation des bornes, il doit augmenter de manière à atteindre cette rentabilité. Donc voilà, on n'a pas spécialement prévu de refaire de levée de fonds. On doit atteindre la rentabilité, c'est un objectif important. On a levé plusieurs fois des fonds. À un moment donné, on ne peut pas lever des fonds tous les 2 ans éternellement. Ouais, sinon, On c'est qu'il y a un a. problème. Ouais, on n'échappe pas à la gravité. Et à un moment donné, il faut que l'entreprise elle soit pérenne et qu'elle soit rentable. C'est extrêmement important et c'est mon rôle et même mon devoir en tant que chef d'entreprise de pérenniser tous les emplois qu'on a chez Electra, c'est d'avoir un business qui flotte. Et pour ça, il faut qu'on atteigne la rentabilité. Et nous, ce qu'on a fixé, c'est 2026. Mais voilà, un peu comme un Vercors dans les batteries, ils vont énormément investir, plusieurs milliards d'euros, puis récolter les fruits de cet investissement. Nous, on est dans cette phase de ce cycle d'investissement très très fort, mais avec quand même une trajectoire de rentabilité qui est assez claire. Est-ce que vous pensez que le marché va se consolider? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir, commencer à y avoir des rachats d'entreprises dans la recharge? Et peut-être que est-ce que Electra serait un candidat au rachat d'autres entreprises? Oui, le marché va sans doute se consolider. Je partage ce constat. Dans la mesure où il faut, sur notre marché, je pense qu'il faut des capacités opérationnelles et industrielles, financières, produits et technologies. Il faut tout ça. Et je pense qu'on devrait quand même avoir, un peu comme tous les nouveaux marchés, il y a beaucoup d'initiatives et le marché il est fragmenté, il est assez atomisé. Et puis, à mesure que on avance, ça se rationalise et on a des plateformes qui ont la taille, qui ont l'échelle, qui vont émerger. Donc c'est très vraisemblable que le marché se consolide. Je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens dans l'industrie. Et nous, on va essayer justement de tirer parti de cette consolidation en essayant. Je dis en essayant parce qu'on n'est jamais sûr, parce que pour faire des acquisitions, moi j'en ai fait quelques-unes dans ma boîte précédente, bah, il faut trouver la bonne cible, au bon moment, au bon prix, avec les bonnes synergies, avec des gens qui sont prêts à se vendre, etc. Avec un projet commun partagé. Donc il faut quand même beaucoup d'alignement de planètes, c'est pas facile, mais on va essayer de le faire si ça peut nous permettre d'accélérer. Avant de passer aux questions des auditeurs, une dernière question de chiffres. Vous faites combien de sessions de charge à peu près, par jour ou par mois, je sais pas. On est sur une trajectoire là, on approche les 100 000 sessions de recharge par mois. Donc avec quoi un panier moyen de quoi, 10, 15 euros? Et paf, j'ai le chiffre d'affaires. On est sur un panier moyen entre 10 et 20 euros hors taxes, on va dire. Donc, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, on en a eu beaucoup parce que bah, je crois qu'Electra est une entreprise qui suscite beaucoup de questions et d'intérêts. Et je vais commencer tout de suite avec Daniel. J'envoie la question, puis je vous laisserai répondre, Aurélien.
Bonjour, c'est Daniel. J'ai une question pour Electra. Le réseau de recharge Electra semble extrêmement pratique avec les réservations et puis l'autocharge, mais par contre, il est extrêmement peu dense et donc il peut, pour l'instant, c'est qu'un réseau d'occasion, enfin occasionnel. Donc la question, c'est combien il faut de bornes de recharge pour que le réseau devienne majeur, qu'on puisse s'en servir comme étant le réseau principal de recharge de sa voiture. J'allais dire un peu comme les superchargeurs Tesla. Et quand est-ce qu'Electra pense arriver à une telle densification? Merci pour la question, et c'est une bonne question, effectivement. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de densifier le réseau. C'est pour ça qu'on a beaucoup recruté, c'est pour ça qu'on a levé des fonds, c'est pour arriver à créer ce maillage. Très clairement, nous, ça ne nous intéresse pas de déployer quelques stations. On veut avoir un réseau qui, au niveau national, soit bien maillé et soit dense. Aujourd'hui, on doit être le cinquième réseau en termes de nombre de stations HPC en France. Je pense qu'on sera peut-être le deuxième ou le troisième réseau d'ici à la fin 2024 parce qu'on continue à déployer à un rythme très très soutenu. On a 135 stations de HPC en France de recharge rapide, mais clairement c'est pas suffisant. Donc cette année on va déployer juste sur la France à peu près 150 stations. Donc déjà on va doubler ce chiffre, donc ce qui nous permettra d'arriver à 300 stations. Et l'année suivante on continuera. Donc j'espère en tout cas, et c'est la logique, qu'on pourra proposer aux électromobilistes un réseau sur lequel ils peuvent s'appuyer avec l'idée de se dire, j'ai des stations Electra un peu partout à proximité, je peux me promener partout en France avec Electra. Donc on essaye d'aller le plus vite possible et d'aller dans le sens de votre question. Allez, une deuxième question. Bonjour, Émile Frémont. J'ai une petite question pour Aurélien Demeaux, PDG d'Electra, sur l'éventualité de créer des bornes de recharge moyennement rapides sur de la charge à destination, mais peut-être de courte durée. J'entends par là le fait que sur des longs trajets en VE, on fait une pause le midi pour manger. Que des chargeurs rapides, 150 kW ou plus, chargent souvent trop vite par rapport au temps de la pause qui va durer, on va dire, entre 40 minutes et 1 heure. Et on a beaucoup sur le bord des grands axes, autoroutes et autres, des restaurants, de chaînes notamment, avec lesquels des alliances sont envisageables. On voit ce que propose Easyvia avec McDonald's, par exemple. Et il pourrait être intéressant à terme d'avoir, avec des chaînes de restaurants, parce que c'est peut-être ce qui est plus facile par rapport au maillage du territoire, des bornes de type 50 kW, par exemple, une puissance qui est rapide, mais pas trop, qui permettrait en fait de faire le plein le temps d'un repas au restaurant sur le trajet de son week-end ou de ses vacances, de pas être speedé à devoir débrancher la voiture en plein milieu du repas, et savoir que lorsqu'on a fini son repas, on a pris son petit café, on est passé aux toilettes, on reprend sa route, on n'a pas perdu de temps parce qu'on avait prévu de faire cette pause-là, qui a duré un peu plus d'une demi-heure et peut-être un petit peu moins d'une heure, et on récupère sa voiture quasiment chargée à 100%. Alors, non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est simplement pour situer Electra parmi les différents opérateurs. Nous, Electra, on est en très très grande majorité dans les zones urbaines, les agglomérations urbaines. Pas seulement Paris, Lyon, Marseille, les trois premières villes, mais on va dire les 25 ou 30 premières villes en France. Donc c'est plutôt ça notre positionnement. Maintenant, on a à peu près 20% de notre réseau, qui est ce qu'on appelle du réseau en itinérance, en roaming, donc c'est ce que vous décrivez dans votre question, c'est-à-dire autoroute, on a des stations sur l'autoroute avec Vinci Autoroute, ou bord sortie d'autoroute. On le fait un petit peu avoir, donc on a des bornes en 50 kW, donc on l'a dans certains cas. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que on vous donne 45 minutes pour charger. Ce qui fait que, et vous n'avez pas de prix à la minute pendant 45 minutes. Peut-être qu'on pourrait étendre à 1 heure, si vraiment on pense que c'est intéressant dans certains cas, pour des restaurants, ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous pouvez charger sur une borne 150 ou 300 kW,
pendant 45 minutes et vous n'avez pas à vous presser et à ressortir, comme vous décrivez, au bout de 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes. Donc je pense que c'est des cas, pour nous, c'est des cas d'usage qui peuvent se présenter et qu'il faut traiter au cas par cas. Mais pour l'instant, on a plutôt une logique de dire, vous avez 45 minutes, on va vous charger. Même si la voiture est chargée au bout de 20 minutes, bah vous pouvez la laisser 45 minutes, comme ça vous n'avez pas à vous presser. Pourquoi? Parce qu'on est aussi au début de la transition vers l'électrique. Il y a 1 million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers. Donc les bornes, pour le moment, elles ne sont pas complètement saturées. Donc on estime qu'on ne va pas presser les gens pour partir. Voilà. Alors là, j'ai une petite volée de questions de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Aurélien, Jean-Christophe de la chaîne EV, et qui est très intéressé par le sujet. Et donc, il m'a envoyé pas mal de questions. On va les passer à la suite. Bonjour, Jean-Christophe d'Arcachon. J'aurais posé une petite question à Aurélien à propos de ces bornes. On sait qu'aujourd'hui, le réseau Electra est majoritairement composé de bornes alpitroniques, avec quelques X charges aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins finalement dans les nouveaux projets. On sait que ça peut être un petit peu dangereux de dépendre d'un seul prestataire. Donc ma question c'est, est-ce que Electra va déployer ou en tout cas tester d'autres marques de bornes ou vraiment c'est alpitronique et uniquement alpitronique? On sait qu'il y a un test actuellement avec une borne EVBox. Est-ce que le test est concluant? Est-ce qu'on va avoir des EVBox? Est-ce que d'autres prestataires sont essayés, etc. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Merci, bonne journée. Merci pour la question. Et c'est un bon point. Ça fait partie des discussions stratégiques qu'on a en interne. Et c'est toujours un peu la même question quand on parle de fournisseurs clés. C'est d'un côté, on n'a pas envie de mettre toutes ses œufs dans le même panier. Et donc, il faut qu'on ait plusieurs partenaires. Et de l'autre, on ne peut pas en avoir 36. Parce que si on veut garantir une certaine homogénéité, une certaine. Et puis même nous, dans nos process, nos standards, si on ne veut pas multiplier la complexité, on ne peut pas avoir 36 modèles de bornes. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Alpitronic, qui a un matériel qui est quand même extrêmement fiable, qui a fait ses preuves. On n'est pas les seuls, comme tu sais bien. C'est un matériel qui a beaucoup de succès. Bah, pour une raison aussi, c'est que c'est un matériel qui est de très très bonne qualité, qui a fait ses preuves. Maintenant, donc on a une borne EVBox, effectivement, 400 kilos, qui est en test, qui est un test qui avance bien. Donc, on devrait quand même voir un peu plus d'EVBox sur le réseau. On a les bornes X-Charge et on continue à qualifier d'autres modèles de bornes pour regarder un peu, comparer les performances par rapport à ce qu'on a et essayer de voir s'il n'y a pas aussi des alternatives. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On reste en veille. Comme je disais, sur notre réseau, on a de l'EVBox, on a du X-Charge, on a de l'Alpi. Et après, on essaye aussi de ne pas tomber dans ce que je décrivais, c'est-à-dire avoir 6, 7, 8 partenaires différents, parce que ça, c'est ingérable. Donc, c'est une fine line pour arriver à mitiger ça. Quand vous avez commencé votre activité, vous faisiez partie des mieux placés au niveau du tarif de recharge. Et puis, petit à petit, vos tarifs ont augmenté. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs acteurs qui font moins cher que vous. Par exemple, bon, bah, Tesla, évidemment, IE Charge et bah, Easyvia maintenant avec les McDonald's. Sachant que vous êtes souvent positionné sur des parkings d'hôtels, et donc vous êtes vraiment en concurrence frontale, bah, du coup, avec Tesla, IE Charge et les bornes du McDo. Est-ce que vous comptez rentrer un peu plus dans une guerre des prix ou est-ce que vous allez rester à ce tarif qui est un petit peu plus cher que vos concurrents directs? Merci, bonne journée. Ouais, bah merci Jean-Christophe là pour ce point, ça me permet de clarifier un tout petit peu sur le pricing. Alors, sur le prix, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des acteurs qui sont moins chers. Tu as parlé de Tesla, c'est vrai, Tesla en ce moment, pas sur toutes les stations dans tous les pays, mais ils peuvent être moins chers.
Maintenant, Tesla, ils ont une politique de prix qui est assez variable et c'est pas du tout exclu que dans un mois, ils soient au même prix ou plus cher, parce que je pense qu'ils ont un peu plus de volatilité dans leur pricing que nous. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le prix d'Electra, il est à 52 centimes à peu près du kilowattheure. Tu peux aller regarder sur l'application. Et c'est quand même dans la fourchette basse de ce qui se fait en recharge rapide. Si je prends les camarades, je sais pas, Fastned, Total, que sais-je, Engie, etc., bah, tu verras qu'on est quand même assez bien placé en termes de positionnement prix. Donc on ne fait pas du low cost, ça c'est sûr. On aura du mal à faire du moins cher que moins cher, parce qu'on veut proposer une expérience client qui soit la meilleure possible, et que ça, c'est vrai que ça a un coût. On est aussi tributaire des prix de l'énergie, qu'on essaye de sourcer au mieux. Mais c'est clair que le but d'Electra, c'est d'avoir un prix qui est compétitif. L'objectif d'Electra, la mission d'Electra, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens adoptent la voiture électrique. À travers bah, le fait que la recharge soit simple, parce qu'on a des stations à proximité, parce qu'elles sont très faciles à utiliser, mais aussi parce que le prix est intéressant. Et c'est un énorme avantage qui est souvent sous-estimé, je trouve, c'est que les gens, quand ils passent à l'électrique, factuellement, pour faire 100 km, ça leur coûte entre 2 et 3 fois moins cher que l'essence, quoi. Et on le voit en France, dès que le prix du pétrole augmente, c'est la panique, on fait des chèques carburant, et on se dit comment est-ce qu'on va faire? Ça a un impact énorme sur le budget des ménages, sur leur pouvoir d'achat. Et je trouve qu'on a une solution qui est là, qui est activable, qui est d'acheter de l'électricité qui est produite en France et qui coûte 2 ou 3 fois moins cher. Donc c'est une des grandes vertus pour moi aussi du passage électrique, et qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant, donc j'en profite. Allez, deux dernières questions. Une question de Vincent d'abord. Bonjour, Vincent de Césarieux dans l'Ain. Alors j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si dans l'avenir, les prochaines stations seront couvertes et si ils reviendraient sur les anciennes stations et les couvrir aussi. Voilà, pourquoi pas avec des panneaux solaires. Deuxième question, qu'est-ce qu'ils peuvent prévoir pour éviter le squattage des bornes par des véhicules thermiques et ou par des véhicules électriques qui seraient sur place et qui n'iraient pas charger leur voiture une fois chargée? Ou ceux qui restent sur la place mais qui ne chargent pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur le premier point, pardon, sur la couverture des stations, on le fait bon, dans un certain nombre de cas. C'est le cas à l'aéroport de Toulouse, c'est le cas sur les stations d'autoroute. On a des canopées, donc des auvents, qui bien souvent d'ailleurs ont des panneaux solaires, effectivement, parce que c'est une bonne occasion de produire de l'électricité solaire. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type d'infrastructure, la canopée, le auvent, on l'appelle comme on veut, le toit, quoi, la couverture, c'est déjà ça a un certain coût, et puis il faut des permis, donc c'est plus lourd. Et ce qu'on se dit, c'est que quand on est sur le parking d'un hôtel ou d'un supermarché, ça peut être utile d'avoir un auvent, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des parkings d'hôtels qui sont petits, sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je rappelle, effectivement, nous, on a plutôt ce positionnement d'agglomération urbaine. Et dans une zone urbaine, l'espace est très contraint. Et mettre des canopées, ce n'est pas toujours possible. Donc, on va essayer de le faire. Moi, enfin, encore une fois, si on se dit que l'expérience utilisateur, c'est numéro un et c'est prioritaire chez Electra, et on se le dit tous les jours, bah, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça. Et qu'on arrive peut-être à introduire ce concept de canopée de manière plus systématique. Maintenant, pour des contraintes opérationnelles, ça ne sera pas toujours possible, malheureusement. Et sur le squattage des bornes? Et oui, pardon. Donc, sur le squattage des bornes, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place. Bon, déjà, essayer de mettre des panneaux, c'est idiot, hein, mais des panneaux un peu. J'appelle ça attention chien méchant, c'est-à-dire on met des panneaux qui disent attention véhicule thermique, enlèvement, etc. On essaye de dissuader, ça c'est la première chose à faire. On essaye aussi de travailler en bonne intelligence avec les partenaires fonciers. Donc on travaille avec les hôtels Accor, avec les parkings Indigo, avec énormément de supermarchés.
et c'est leur parking. Et d'une certaine manière, ils contrôlent un peu ce qui se passe sur leur parking. Et donc, on leur demande aussi d'aider à réguler. Faire la police, c'est peut-être pas le bon mot, mais à réguler un peu les choses pour éviter qu'on n'ait que des voitures thermiques. Donc, ça, c'est aussi le partenaire foncier qui peut nous aider. Pour ce qui est des voitures électriques qui squattent, on peut leur mettre des pénalités si jamais les gens ils restent scotchés à la borne et connectés pendant 12 heures. Nous, on a des bornes qui sont des bornes rapides. C'est pas fait pour ça. Donc, on peut dissuader de cette manière-là. Vous l'avez pas fait ça encore. C'est pas en place. On l'a fait et puis on l'a enlevé en se disant, grosso modo, 98% des gens jouent le jeu parce qu'ils voient bien qu'on a des stations de recharge rapide. Donc, on n'a pas envie d'être punitif. Nous, on veut créer, je le redis, mais on veut embarquer les gens, on veut les enthousiasmer sur l'électrique. Et donc, on n'avait pas trop envie de leur taper sur les doigts en se disant, c'est pas très utile parce que tout le monde, enfin, 98% des gens jouent le jeu. Donc, on l'a enlevé pour le moment. Peut-être qu'on le remettra, mais en tout cas, on l'a enlevé. Donc, voilà, il y a toute une palette de choses qu'on peut faire. Et puis, plus il va y avoir de voitures électriques, plus je pense aussi que les voitures thermiques, elles vont s'autodiscipliner parce qu'à un moment donné, elles vont aussi sentir que. Il y a plein de gens qui ont des voitures électriques qui ont besoin de ces places et ça va un peu s'autoréguler. Très bien, une dernière question de Johan qui est sur une thématique un peu différente. Bonjour, Johan de Laval. Une question pour le PDG d'Electra que vous interrogez cette semaine. J'aurais voulu savoir si Electra va se lancer dans la recharge pour poids lourds, s'il va y avoir des bornes poids lourds ou des stations spécifiques poids lourds. Et puis, question couplée, si la réponse à la première question est oui, quand est-ce qu'on verra les premières bornes MCS, donc avec 1 MW de puissance? Eh bien, merci pour votre éclaircissement sur l'aspect poids lourd électrique. Au revoir. Là aussi, c'est une excellente question et c'est un sujet passionnant puisque les poids lourds, je pense que ça y est, on est en train de se dire que l'ensemble des poids lourds, pas uniquement ce qu'on appelle les LCV et les MCV, donc les light et les medium trucks, mais également les gros trucks, ce qu'on appelle les tracteurs, vont a priori, et je dis ça pour avoir parlé avec beaucoup de constructeurs, avec Volvo, avec Scania, etc. passer à l'électrique. Là où il y a 2 ans, il y avait 70% du consensus qui nous expliquait que les poids lourds, ça allait basculer vers de l'hydrogène parce que l'électrique, ça pouvait pas marcher. Depuis, le semi de Tesla est sorti, la technologie, je pense, a évolué et on est en train de se dire qu'on va électrifier, on va passer sur des trucks électriques. Donc ça va être une mutation qui est passionnante, qui est extrêmement nécessaire, puisque les poids lourds, c'est, je crois, 2% des véhicules, mais 20% des émissions de CO2, quelque chose comme ça. Donc il y a un impact qui est énorme. Donc nous, chez Electra, quel est notre rôle là-dedans? On va tester ce modèle. C'est-à-dire déjà, on n'a pas envie de mourir les deux, donc on va tester le modèle sur de la recharge de poids lourds. On a l'opportunité de le faire sur quelques stations, parce que ce n'est pas toujours possible. Sur les stations qu'on a, en tout cas aujourd'hui, parce que les poids lourds, c'est évidemment des dimensionnements qui sont beaucoup plus importants, avec il faut des espaces de giration qui sont énormes. Donc on a quelques stations sur lesquelles on peut faire un test, et ça va nous permettre du coup d'y voir un peu plus clair, probablement d'ici à la fin de l'année, de se dire est-ce que oui ou non, on a envie d'accélérer et d'aller plus fort dans le poids lourd. Donc ça reste une question qui est un petit peu en suspens, on va le tester. Là où je veux aussi dire les choses, c'est que je pense que chez Electra, on a une trajectoire de développement qui est vertueuse depuis un peu plus de 3 ans maintenant, parce qu'on arrive à être très focus. C'est-à-dire que matin, midi et soir, on pense à la recharge rapide, principalement dans les zones urbaines. Et on essaye de ne pas se disperser. En revanche, on scale fortement ce segment sur 8 pays, mais on essaye de ne pas trop se disperser. Et les poids lourds, il faudra qu'on se fasse une conviction collective, le management et toute l'équipe d'Electra, de se dire est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce qu'on fait,
ou est-ce que c'est une adjacence qui peut créer une forme de défocus par rapport à notre segment principal? Et ça, j'ai pas complètement la réponse, donc peut-être qu'on pourra en reparler en début d'année prochaine si tu me fais le plaisir de me réinviter, Eric. Ah oui, ça sera avec grand plaisir. Aurélien, j'ai deux petites dernières questions. Alors, une information d'abord qui vient de tomber, hein, je ne sais même pas si tu as eu l'occasion de la voir ce matin, parce que c'est ChargeMap, le réseau de ChargeMap, qui vient de publier son classement des meilleurs réseaux de recharge de 2023. Et donc, Electra est dans le top 3. Derrière Tesla, Superchargers et Fastned. En fait, ChargeMap a mis en place un nouveau système d'avis. Je lis la page, hein, en avril, un nouveau système d'avis utilisateur. 112 000 utilisateurs ont partagé leur expérience de recharge, générant ainsi plus de 390 000 notes sur la plateforme. Vous êtes dans le top 3. Peut-être une petite réaction à chaud. Écoute, j'ai vu ça littéralement une demi-heure, on m'a envoyé ça sur ma messagerie avant qu'on se parle. Enfin, déjà, je trouve ça intéressant. Nous, on est bon, évidemment, on est content d'être sur le podium. Je pense que c'est le moteur vraiment chez Electra. On est une équipe de gens très très passionnés par notre projet, c'est l'expérience utilisateur. Le sentiment d'appartenance chez Electra, la fierté des gens chez Electra de bosser dans cette boîte, c'est la qualité du produit et de l'expérience utilisateur qu'on peut proposer. Et ça, c'est vraiment notre ADN, notre coloration. Donc, le fait qu'on puisse avoir des relais un peu objectifs qui viennent rationaliser le fait que nos efforts sont appréciés des utilisateurs, ça fait toujours énormément plaisir. Maintenant, place de numéro 3, c'est bien. Ça veut dire qu'on est un bon réseau. Mais évidemment, on vise la place de numéro 1, donc on va aller challenger les camarades Fastned et Tesla, et bravo à eux. Ça me fait penser à quelque chose. On parle là de ChargeMap et on parle d'une communauté. Est-ce que cette notion de communauté peut être applicable à une entreprise comme Electra? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez peut-être des outils ou des dispositifs à mettre en place pour activer une communauté Electra de gens qui sont un peu actifs, qui sont un peu vos évangélistes finalement et qui communiquent entre eux, et qui se rendent des services aussi? On a une communauté qui est assez importante et très engagée. On a un groupe Facebook qui s'appelle l'Electra Lab, sur lequel il y a, je crois, 1500 personnes. Et ça, c'est hyper précieux pour nous. C'est des gens qui sont assez engagés, donc qui connaissent bien le réseau Electra, qui nous font énormément de remontées parfois sur des stations ou sur le réseau dans sa globalité, qui nous font des suggestions. On leur fait tester aussi des fonctionnalités en avant-première. Typiquement, l'autocharge, on l'avait mis en avant-première pour les gens de l'Electra Lab. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on l'anime beaucoup sur ce groupe Facebook Electra Lab. Dernière question, Aurélien, qui est une question aussi qui a un petit peu de relation avec la gratification ou un peu même l'ego. Ça fait quel effet d'avoir successivement des messages de félicitations de Bruno Le Maire et même d'Emmanuel Macron en personne sur leurs réseaux sociaux? Ben, ça fait plaisir. Je pense que c'est encourageant. Je trouve que la French Tech, pour le coup, on s'en rend pas compte, mais en France, on a un écosystème entre nous, on a la BPI qui est rentrée à notre capitale, on a la French Tech, je l'ai dit, on fait partie du Next 40. On se sent soutenu. Et tu vois, nous, on est un peu dans un schéma David contre Goliath. Conto, ils développent une banque en ligne et bah, ils vont essayer d'aller challenger des institutions bancaires qui sont extrêmement riches et puissantes. Nous, on a la même chose avec des acteurs historiques qui sont extrêmement riches et puissants. Et on va jouer notre rôle d'aller jouer les trublions sur ce marché, de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est vrai que le fait de se sentir soutenu, bah, par des utilisateurs qui sont contents, par des gens qui vont investir dans la boîte, mais aussi par des pouvoirs publics qui se disent de la compétition et de l'innovation, c'est une bonne chose. Bah, c'est génial pour nous. Ça renforce la motivation. Ça fait énormément plaisir, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Aurélien Demeaux. Je rappelle que vous êtes PDG d'Electra, l'un des leaders de la recharge rapide en France. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!